Yoshi a dit petit Yoshi Story. Allez. Surtout qu'il y a des petits ladders. Mais bon, attention quand même à Toon Link hein, qui peut aller chercher. C'était plus Lylat, voilà. C'était plus Lylat, mais Lylat arrête d'être là, putain. Ça suffit, Lylat au bout d'un moment. Allez, Benji, Vladez, Dark Samus, Toon Link. On est très dark ici, hein. Dark Toon Link. Dark, dark. On est très très dark, c'est les gens, ils ont, plus de, ils ont plus rien à perdre ici. Ils sont et là. Beau avant tout. Moi, tu me parles pas de. Tu me parles pas d'apprendre les match-up, tu me parles pas de quoi que ce soit, je suis là pour juste gagner et puis c'est tout. Je suis là pour acquérir toujours plus de puissance. La puissance. Et voilà, le fameux AB qui a permis à Benji de land sur la top plateforme, vous le voyez sous vos yeux. Ouais, voilà, bah encore. Ouais. Il suffit de le dire et vous le voyez. C'est ça, Benji qui nous régale. Hein. Il nous a entendu le dire, il s'est dit allez, je vais remontrer. Il est là pour illustrer les propos exactement. Des casters et ça, c'est quand même fort. Il s'est dit je vais quand même faire la démo, histoire de faire un petit tuto. Après, je sais que Vladez il aime bien les triplates avec Toon Link. Pomme déteste cette map avec Toon Link. Bah écoute, ça doit être beaucoup des pommes de Toon Link, j'ignore. Que Pomme nous soutient toujours que Toon Link c'est top tier. Un homme délusional, si vous voulez mon avis. Franchement, il a peut-être raison, on ne sait pas. Oui, on sait. Franchement, vous savez, dans Ultimate, tant que vous savez jouer un minimum, votre perso, tu sais, vous pouvez faire des choses. Il y a des Smash, ça fait 20 ans qu'on les a, on découvre des choses. Alors peut-être que sur Ultimate, hein, si tu veux. Sur Melee, on trouve des trucs encore, il y a encore des trucs qui nous surprend. Comment ça, Yoshi gagne un Super Major? Je comprends plus, moi. Allez. Donc, pourquoi pas découvrir encore des choses, de belles choses sur Ultimate. Forward air pour anti-air. Vladez qui n'a pas l'avantage positionnel. Oula, Benji, attention, qu'est-ce que ça fait que ça? Par contre, là, on a fait, je te chope à la réception, mon loulou, tu toucheras pas la plateforme. Ah ouais, non, mais là, attends. Mais en plus, son AB, il était un peu. Je sais pas si c'était un missile plutôt ou pas, mais c'était quand même un peu étonnant, là. Il a trop parié sur un overextend de Vladez, peut-être. Allez, le ledge trap, non, le ledge trap qui n'arrive pas à être casé. C'est compliqué. Oh, le back air. Le back air. Ah, ça, c'est un petit souci de Vladez, c'est qu'il a tendance à trop vouloir sortir sa bombe sans forcément tout le temps bien faire gaffe. Que c'est peut-être pas un moment ultra opportun qui peut se faire avoir, et là ça a été le cas. Il s'est fait avoir sur son pull-up de bombe. Benji il est arrivé direct avec sa grande jambe de Samus avec dans Dark Samus avec une armure, parce qu'en fait Dark Samus, bon, vous avez compris, c'est plus Samus, mais bon, je flop. Et du coup, bah, ça tue bien, ça a beaucoup de kill power. Allez, le charge shot qui va être bien dans le match-up côté Benji, ça va lui permettre de passer à travers pas mal d'embrouilles. La bombe qui ne touchera pas, on s'attend à ledge trap, on catch le jump encore une fois. Vladez va-t-il se sortir de ce ledge trap? La bombe, ça a forcé Benji à shield. Mais bon, on a toujours trouvé un grab et tout. Benji, il continue, il ne s'arrête jamais sur ce ledge trap. Ah oh non, bah c'est Samus, hein. Oh oui, au point. Et bon, voilà. Bombinette charge shot. Hein, finalement, efficace et pas cher. C'est la bombinette qu'on préfère. Exactement, c'est la bombinette, c'est le charge shot. Je me rappelle de ce tweet du gars qui disait le charge shot est un meilleur personnage que Toon Link entier. Est-ce qu'il avait peut-être raison ce gars, ou est-ce que c'est un troller? Je pense quand même que c'est un troller, n'abusons rien. Mais force est de constater que le charge shot, bah, il a carry pour cette deuxième stock, et que là on gratte et Benji il prend une grosse avance là quand même. Vladez n'arrive plus à le toucher, il se prend tous les ledge traps du monde, il se prend. Oh, mais Benji, la bombinette. Bon, là c'est plus une bombinette, là c'est la peu, grosse bombinette. Elle est un peu grosse ta bombinette. Ah, c'est la grosse bombinette quoi. C'est l'extra bombinette. Ça dépend de la grosseur de ta bombinette. On s'attire sur Talent City. Talent City, attention à Talent City par contre. Parce que Vladez à tout moment il fait un gros forward air. Ça tue à 2. Ça tue à 2, voilà. À 2. Voilà. De quoi? Si Benji tu meurs à 2, t'es foutu. Si tu meurs à 2, tu me payes des royalties. Allez. On est parti, parce que Vladez il a certainement pas dit son dernier mot, moi je vous le dis. En vrai c'était assez even le début de la game, c'est juste vers la fin que Benji il a réussi à attraper. Samus c'est un perso beaucoup trappeur, tu vois. Il a réussi à attraper Vladez beaucoup de fois. C'est ça contre Samus qui est compliqué, hein. C'est beaucoup des RPS. Et après il y a des jours, bah c'est pas que vous jouez mal et que la Samus joue forcément mieux que vous, c'est juste la Samus fait un choix, vous faites un choix. Il s'avère que la Samus a été gagnante, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça le jeu aussi, malheureusement. Le up B out of shield, t'imagines s'il avait tué à cause de la plateforme? Heureusement que le plafond est haut. Hein. À 13% quand même, il y a de quoi avoir un sacré coup au mental. Et on occupe bien l'espace hein, du côté de Benji. Hein. Oh non, il n'y avait plus de sauve, Vladez il a pas fait gaffe. Aïe aïe aïe. Ah ça fait mal. Ça fait mal parce que la Benji prend un gros lead relativement gratos.
Là, Vlades, c'est le moment de tuer à deux. Hein. C'est peut-être le moment de tuer à deux. Ou alors c'est Benji qui va tuer à deux. Benji, là, il est dans un petit bout de zoning. Un petit bout de zoning. Il n'y a que les bombes de Toonling qui peuvent l'emmerder dans son zoning. Sinon, bah, avec le charge-shot, il est assez chargé. Ça traverse les boomerangs, ça traverse les flèches. Ça traverse les embrouilles. Est-ce que vous pensez qu'on va voir Vlades arrêter un charge-shot en se tenant immobile et avec le bouclier. J'aimerais... Oh, et ben voilà. Ça, c'était beau. Ça, on a trop du ledge. Tout le faire. Sur Turn 1 City, en vrai, attention, parce que ce genre de petit kill comme ça, là, Vlades, ça peut être son péché mignon. On a failli se prendre à deux côtés, là. Il a failli mourir à 40, hein. Oula, oh là 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 là, attention. Benji, oh, il met la sauce, il balance tout hein, dans le stage. Oh, Benji, hein. il est prêt à continuer les embrouilles. Ah, bah non. Alors, il a retourné la bombe contre son adversaire. Attention. Allez. Allez, petite phase. Double petite phase. Oui, l'ardoise qui était bien lue. Ah, c'est beau ce qui se passe. Ouh là là, malheureusement, ça va pas marcher, on va se faire grab. Attention à cette phase of stage, est-ce que Vlades va s'en sortir de Sledge Trap? Ah bah. Eh ouais, faut pas s'endormir au ledge. Hein. Ah non. Oh ouais, c'est compliqué. Hein. Franchement, quand Samus est tellement dur et il reviendra pas. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Et Benji qui reste solide. Benji qui est toujours là. Franchement, quel joueur. Quelle régularité chez ce joueur. Même quand il est dans la sauce, dans certains sets, il réussit toujours à s'en sortir, à être présent. Il y a de quoi apprécier ce genre de joueur quand même. Mais il y a de quoi apprécier les joueurs comme Vlades qui peuvent faire des trucs de crackhead. On rappelle que Spike dans la crew battle, il avait fait un bon taf. Et c'est le moment pour lui de prouver. Parce que attention, là il trouve un kill, il revient, il va quand même. Oh, le tilt. Attention aux embrouilles. Attention aux embrouilles. Oh ouais, très bon grab. C'est le tour de Vlades de faire des ledge traps. Oh, on est pas la bombe. Le pire qui passe pas à pas grand chose. Ça passe pas à pas grand chose. Pas grand chose. Oh, le jab block, ça tue. Allez, double jab block into forward smash. Attention, Vlades est à 2 si quelqu'un meurt à 2. Ah ouais, non mais regarde, c'est bon hein. Là on est bien revenu du côté de Vlades. Ah ouais, c'est clair. Là c'est clair, il a clairement comeback alors qu'il s'est SD et tout, je rappelle, il avait mal calculé son saut tout à l'heure. Benji gagne la weekly, c'est sa saison. C'est sa saison, peut-être que c'est sa saison, mais Vlades il a pas envie. Il reste Miss encore en face hein. De lui laisser sa saison, c'est vrai qu'il a perdu non Miss en winner final, il faut qu'il comeback là. Si, je veux dire, déjà il faut qu'il passe Vlades, mais s'il passe Vlades, il aura besoin d'un gros comeback reset et tout. Quoi. Il y a eu 3-2 hein, contre Miss, hein. Il gagnait 2-0 et Miss l'avait les reverse. Aïe aïe aïe, Miss joueuse solide également. Attention par contre, parce que là Vlades c'est lui qui a le lead. Hein. C'est lui qui a le lead et à 84%, on n'est pas 6 sur 1 parce que 6 sur. Ouh, oh, attention, 6 sur un côté de terrain, on se prend un combo starter, bombe, truc, et qu'il y a un forward qui passe, c'est terminé. C'est terminado pour le petit Samus, enfin la petite Dark Samus. Upper. Qui va pas tuer. Le plafond est haut hein, côté sur Turn 1 City. Il est très très haut, c'est un des plus hauts possibles. Donc c'est pour ça que ce repère va pas tuer. Par contre sur les côtés, vous le savez, les blasons elles sont proches du terrain. C'est les mêmes blasons que Smashville, mais le terrain est plus grand, donc forcément quand t'es sur le côté, c'est la merde. Et voilà, ça va toucher le ledge et Benji malheureusement. Allez. Malgré un énorme lead, il n'aura pas réussi à concrétiser la suite malgré une bonne phase de ledge trap. Vlades est revenu dans le game, mesdames et messieurs. Effectivement, effectivement, mon cher Chousse. Ah, on a banni Insta et Battlefield Yoshitori. On a appris la leçon. On a dit non. On a dit non. Hein, les AB, Atushi, tout ça, ça suffit. Il nous reste un ban. Où est-ce qu'on va bannir côté de Vlades? Ça sera FD. FD, ok. Je suis pas sûr que ça soit que Samus aurait pu être façon. Je vois pas une Samus aller sur FD. Ouais, parce que je pense qu'elle a pas envie de se faire juggle tant que ça par le upper. Avec des frames actives très longues de notre ami Toonling, je ne sais pas. Effectivement, je pense pas qu'en tant que Samus, tant que ça DF, ça dépend des matchups bien sûr, mais. Holo mais bon, Bastion. On va voir Holo Bastion. Benji, historiquement, Holo Bastion, on connaît. Magnifique Holo Bastion. Très stylé Dark Samus quand même, ces animations, on va pas se mentir. Voilà. Ah, Holo Bastion. Elle est belle Holo Bastion là. C'est comme Small BF, c'est Holo Bastion. Allez! On est parti, 1-1, tout est à faire encore pour les deux joueurs. Là franchement c'est comme s'ils jouaient un BO3 finalement maintenant. Et même pas ils prennent la meilleure musique du stage, qui vaut 70 boules. JPEP. En même temps elle c'est une très bonne musique et en même temps si t'as envie d'avoir une musique de match un peu tu vois, ça le fait moins. Ah ouais moi elle me. J'aimerais que je jamme un peu trop dessus. Ouais moi aussi. Je t'avoue. Il y a une période où je me la mettais dans les oreilles avec, à chaque match de. Genre, tu sais, avec mon téléphone carrément, tu vois. Comme ça, j'ai pas besoin de sur l'eau. Enfin, bref, allez, 87% Benji qui commence mal cette game. Et là, attention à Vlades qui pourrait concrétiser une stock s'il gère bien.
Oh le mix-up. Ça va pas tuer, on est lourd. Ça couvre bien le neutral get-up, hein, ce up B. Hein. Beaucoup de hits. Et le forward. Oh, et on edge guard bien du côté de Vladez. Mais c'est pas fini, le jeep encore Rico, regardez, voyez, c'est très dur à Edgeward, Samus mine de rien. Même quand vous avez tout couvert, la Samus garde des options, hein, c'est pas évident. C'est lourd cette bonne mobilité au stage. Ça va, c'est petit mix-up avec le down B. Oh et au bas. Ça a le taser. Mais ça se prend, déconfirme. Ok, le B. Là, côté Benji, il va falloir vite reprendre la stock, hein, s'il a envie de recoller au score. Le pari ne joue rien, malheureusement, on a fait cette roll. C'était peut-être le moment de chercher, je sais pas, un grab back smooth, se renvoyer au stage. Il joue sur l'edge trap, c'est quand même un perso excellent l'edge trap, c'est dommage. C'est dommage à ce moment-là, peut-être qu'il la voulait pas, ce score junior. Oh là, et ouais, en fait, ça c'est l'erreur que j'ai l'impression que Flades fait à chaque fois, c'est qu'il reste immobile au ledge, sauf que bah non, t'as pas le droit, parce que t'as la bobinette, t'as la menace du charge-shot, surtout que le charge-shot de Dark Samus vient toucher. Si t'es grave, si tu graves le ledge. Exactement, le bombinette charshot, c'est complètement un trou qui confirme sur certains personnages. En fait, ça dépend. Il y a des persos, quand c'est pas de la bombinette, ils sont éjectés vers le bas. Donc ça marche pas. Je sais qu'en Funobi, c'est le cas par exemple. Et du coup, c'est pour ça, ça se trouve, la Dez, il a vu des matchs de gens avec des persos où ça marchait, de rester au ledge, tu vois. En tout cas, tu évitais ouais. Tu prenais la bombinette, donc tu te sortais toujours pas de la merde, mais au moins tu mourrais pas. Et ça se trouve, du coup, bah, là, il se fait avoir et il se rend compte que son perso n'a pas. Peut-être que c'est une méconnaissance de match ou pas, peut-être que juste. Il a voulu attendre, et au moment où il a voulu faire une option, bah trop tard, il avait perdu son invulnérabilité. On ignore en tout cas pour l'instant. Et bah Benji, il a fait un gros taf, et il s'en sort pour aller reprendre un petit lead ici. Mais le bon Vladez va quand même aller chercher... Que le photographe nous prend en photo, incroyable. Des bons pourcentages, allez, c'est pas fini, on est... On est dans la sauce là. Tout simplement dans la sauce. Des deux côtés là, ça va beaucoup se jouer à qui va prendre la stock. Jabber Jab 2, à ton grand âge, Benji. Cherche qui ne passera pas. Vladez qui respecte bien là, qui respecte bien les options. Wow, qui respecte bien les options de kill de Benji. Là, bon, ouais, heureusement que le Zer a touché parce que sinon c'était totalement un confirme. Oh, et ce forwarder qui va toucher la bonne pari sur la bombe, bien vu. Et Benji qui va prendre un petit ascendant. Léger pour l'instant, mais il faut gratter. Il faut gratter les pourcents, ouais. Par exemple avec ce B. Oh attention, les petits EPR. Oula, attention à ces histoires. Hein. Il peut y avoir des embrouilles. Ouais, le charshot qui a bien rebondi sur le shield. Ah, et y a, le mixeur qui prendra la stock. On avait regrab, hein, du coup, même la get-up attaque aura moins de frames d'invulnérabilité. Et les nombreux multi-hits du EB vont aller chercher la punish. On essaie de space aux airs du côté de Benji, malheureusement on se prendra plein de petites flèches. Exactement, c'est un kiki dans ces petites flèches, hein, mine de rien dans le neutral parfois, ça te cancel ce que t'es en train de faire et tout, du coup si tu règles pas vite. Oh, oh dommage, de toute façon le flash ne connecte pas. Donc il aurait dû backer. Donc voilà. Et par contre. Oh, oh là là, oh la phase d'avantage. Et oui, c'est ça le problème, parce que tout le lit qui peut faire les choses, et là Vladez, waouh. Et c'est Vladez qui maintenant prend le lead sur le set. Aïe aïe aïe. Et c'est pas du tout la même chose en fait. Ah ouais. Benji s'attendait pas à ça, je pense qu'il était en train de chiller offstage, il a gardé ses options. Bam. Bah en fait t'es en game 4 et t'es mené d'une game. Ah mais clairement là c'est la merde là. C'est la même chose hein. C'est la merde. Alors que Flantier nous fait plein de photos de l'événement, c'est beau. Benji qui boit de l'eau, hein. il connaît le match, il boit de l'eau. S'hydrater avant tout. Et Vladez qui est prêt. Mentalement, Vladez, il est prêt à aller chercher potentiellement cette grande finale. Benji tient la main de Sourif. qui prend un petit peu l'ascendant psychologique en s'inspirant de la douille. Allez, c'est pas fini. Game numéro 4. C'est vachement serré entre les deux joueurs, en vrai. Ah ouais, c'est back and forth. On est parti sur... C'est une musique de Kirby, ça. Oh, c'est Kirby et Wright, ça. Ah oui. Bon allez. Vladez il campe pas mal plateforme, il fait son petit zoning sur plateforme, c'est vrai que ça évite beaucoup d'embrouilles de Samus mine de rien. Quand t'as l'occasion de mettre une pression avec du zoning et tout en restant safe sur les plateformes, c'est pas si mal vu hein. Et la bombe qui l'empêche de se faire niquer par le grab, bravo ça. Attention, la situation de tech sur plateforme où Vladez j'ai l'impression qu'il fait de la dingue. Toon Link a les options hein, pour faire des bonnes choses, notamment avec son petit optique là. Et là, regardez, Benji, mine de rien, bon, il gratte des petits airs, mais si c'est que des petits airs en soi, Vladez, bon, il prend. Hein.
il prend parce que c'est lui, il peut gratter bombe, bombe, flèche, dash attack, quelque chose. Attention par contre. Attention, le grab qui est dans le mauvais sens, c'est dommage, c'était bon call, mais Benji était bien resté en shield, mais on n'était pas tourné du bon côté, un petit upper qui peut faire mal. Ok, cette fois-ci on va pas neutral get up dans le up B. On est très even encore une fois, c'est incroyable les deux persos, les deux joueurs là qui s'en sortent, qui vont chercher un maximum de pourcentage, qui vont chercher leur petite phase chacun. Oh il va... Aïe aïe aïe. Oh la roll qui... Oh. En fait ce qui est terrible à ce moment là c'est que Benji il voulait pas que le Sharkshot termine sa charge parce que ça a ralenti sa vitesse d'exécution du coup. Le fait que notre ami le Sharkshot ait fini sa charge, bah, ça l'a cancel et il a dû avoir beaucoup plus de frames de startup. Il n'a pas réussi à appuyer sur B assez vite. Bon, il a quand même pris la stock éventuellement avec un gros forward air, il me semble, si je ne me trompe pas. La get up attack. On se précipite de la côté de Vlades sur les traps. C'est vrai que ça a marché assez souvent ce B, mais là, ça marchera pas. Attention, cette rolling qui se fait avoir. Attention, parce que la Benji, c'est peut-être le moment où il a envie de garder l'avantage. On retente encore la petite. La grosse bambinette. Hein. La bambinette. 160%, on meurt toujours. Ah, Benji, il est bien là. Ah, malheureusement, ouais. Faut qu'on dise ça pour que ça, le B qui vienne chercher la stock. Le taser va se faire avoir par ces multi de B là. C'est très bien vu de la part de Vlades. Très excellent edge guard. 10 sur 10 pour le coup. Quoi que ça ressemble. Mais attention parce que Benji, il a encore un bon lead. Oh, attention parce que là on se prend les bombinettes et Vlades, malheureusement, il trouve rien derrière. Mais il pourrait. C'est les bombinettes de Vlades maintenant. Alors que SNS fait une entrée dans la salle. What? Mais qu'est-ce qui. Mais qui. Que fait Quentin ici quoi? Attention à Benji qui n'arrive pas à toucher Vlades depuis tout à l'heure et qui gratte pas, qui se fait gratter. Et là, bah Vlades il est revenu even. Hein. Benji il avait un gros lead et finalement, plus de lead. A plus lead. A perdu lead. On a 30% de lead quoi à peu près. Ok. Allez, c'est le moment de capitaliser la charge peut-être pour Benji. Ouais. Charshot. J'ai l'impression qu'on prend quasiment tous les charshots hein, dès qu'il s'agit de se relever. Ah, mais c'est très dur à affronter comme situation. Et le B qui va tuer. Oh là là. Le B qui va tuer, on s'est jeté côté Vlades malheureusement, on s'est pas jeté à temps. C'est difficile hein. La frame data de Samus, c'est difficile à punir parfois. Il suffit qu'on soit un poil trop loin et c'est trop tard. Allez Benji, va-t-il réussir à gratouiller des pourcentages? La get-up attack encore une fois qui va fonctionner, on se prend beaucoup de get-up attack. Oh dommage, on s'est retourné. Je pense qu'on voulait faire le traditionnel backdash pivot grab et on s'est retrouvé à pas faire de dash et tout, on voit juste un grab en arrière. Oh, là, par contre attention parce que... Ouais, bon, là, il arrive à sortir de la situation parce que c'était lui qui du coup se retrouve au stage. Ah, ça tue. Aïe aïe aïe. Et ouais, effectivement, Benji n'a pas pu profiter de ce ledge trap, ça lui aurait permis peut-être de gratter beaucoup de pourcentage, mais hélas, ça ne sera pas le cas. Vlades en est très bien sorti, et on a que 11% de gratouillé. Voilà, ça se move un peu dans tous les sens, là, ça essaie de trouver l'ouverture. Attention, bombe, backer, salon spot. On a trouvé pas mal de nerfs, on trouve encore un dash attack. Benji qui se fait avoir, Benji qui se fait avoir, qui se fait gratter, qui se prend des combos. Et attention, parce que là, on est quand même en train d'affronter un ledge trap de notre ami Toon Link. On est à 82%, il y a des confirmes potentiellement qui peuvent se perdre côté Toon Link. Là Benji va falloir qu'il trouve une vraie phase pour revenir even et pour menacer ce Toon Link qui pour l'instant est un petit peu tranquille. Oh, ça a failli break shield hein. Heureusement qu'on s'est pris finalement la fin du up B. Oh là là, Benji, il va falloir trouver une solution. La rolling qui était dangereuse. Ok, encore une autre raquette. Oh, c'est tellement dangereux, les deux joueurs là. N'importe lequel des deux joueurs peut aller chercher ce qu'il faut. Oh, le chercheur qui va passer, mais le. Ah, oh, c'est comme ça là. Ça va pas tuer. Oh putain, il se passe son truc, Est-ce que Benji peut s'en sortir? Non, la dash attack est pas sympa, non, ça n'a pas bientôt shield. Oh, attention, hein. Oh, le backer. Ça en va offstage. Est-ce que sur ce ledge trap, Benji peut aller chercher la game 5? Est-ce qu'il peut le faire? Oh non, la bombe qui a empêché! Oh non, le F-slash qui ne passera pas et c'est le F-slash chez Vlades qui va aller chercher la grande finale. La vache, il s'est passé tellement de trucs, des petits projets de Toon Link qui a empêché Benji de finaliser son kill. Vlades qui a